213 Rock with Herreg Melodica on Vinyl Times Classic Rock Radio. Hell yeah, sur la Web Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio, en direct avec nous depuis, je crois, depuis la Suisse, hein, certainement, Laura, la chanteuse du groupe Burning Witches. Hi Laura, nice to meet you. Hey, nice to meet you too. Yes, how are you? I'm good. Okay. Yeah, just chilling. Donc, en direct avec nous, Laura, qui est la chanteuse du groupe Burning the Witches. Elle est là ce soir, donc je pense que depuis la Suisse ou les Pays-Bas, on va lui poser la question. Et donc, Burning Witches, pour vous dire qu'ils sortiront leur nouvel album intitulé The Witch of the North le 28 mai prochain via le label Nuclear Blast. Laura, welcome tonight on 213 Rock. This is the name of the program, and the name of the Web Rock station is Vinyl Times Classic Rock Radio. And thank you very much for accepting my interview request. Yeah, you're welcome, of course. Okay, Laura, pure witchcraft, barely 12 months after the release of the third album, Dance with the Devil, you come back with a new album, The Witch of the North, which will be released on the May 28th via the label Nuclear Blast. Wow. What That's an right, album yes. you did. Heavy metal. Yeah, we totally went a little bit heavier than last album, I think. It's basically, maybe not, I mean, I'm not sure if it's heavier than previous albums, but definitely a little bit heavier than last album. Yeah, back to the heavy metal corner. Yeah. Ouais, effectivement. Donc, un album déjà est sorti l'an passé. Hein. En janvier 2020, c'était Dance with the Devils. Là, le 28 mai prochain, va sortir The Witch of the North. Très bon disque. Heavy metal, c'est du pur. Dans la veine du précédent, hein, bien évidemment. En même temps, donc, ils ont eu l'année pour le proposer. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y avait déjà un single qui est sorti il y a quelques mois. On va y revenir là-dessus parce qu'il y a pas mal d'informations, quoi. And your album, The Witch of North, will be released, as I said, on May 28th. The album will be red hot and heavy metal. I think you are going to scare Manowar. I don't know. I mean, yeah, who knows, you know? It's all, you never know what magic does, you know? Okay. That'd be scary stuff. Ouais, l'album donc, l'album The Witch of the North qui sortira donc le 28 mai des Burning Witches. Ouais, il est red hot and heavy metal. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle allait faire peur à Manowar, parce que je peux vous dire que c'est du 100% heavy et qu'elles font pas semblant, quoi. And Laura, a new epic true single track, Flight of the Valkyries, is available on YouTube. Yeah, it's cool. The comments are great. You have some good message, and you have got a lot of followers. That sounds good, really good. Yeah, congratulations. Yeah. Yes. Yeah, we were very happy with the reactions until now, and we were already, you know, we're all very happy with the album anyway. I mean, for me personally, I think I like this album the best. And one of the reasons, I guess, is because of the, you know, the storytelling approach. Because there are more songs that do a little bit more storytelling. It really feels epic and there are dynamics on it. And yeah, I just love it. Ouais, c'est une bonne dynamique, hein, le Fly of the Keris notamment. Une belle histoire à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Si vous aimez les histoires de sorcellerie, de grimoire et de etc. Tout ça, c'est les ingrédients, hein, du nouvel album The Witch of the North des Burning Witches. Tout est prêt. Un très bon disque, elle en est très très fière, quoi. And released 6 months ago, the first single, the single of 5, which introduced your new guitar player, Larissa. Yes.
Wow. Yeah, the song is pretty good and a great guitar player too. Yeah. Yeah, 6 months ago. Yeah, we're happy. It's already 6 months ago indeed. But we did it a little bit early, of course, to show the fans that, everything's okay. And it's just fun to then introduce someone with a song, right? So that's why, yeah. Ouais, effectivement, il y a 6 mois déjà, un premier single est sorti de cet album The Circle of Five. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'an passé, donc en janvier 2020, le précédent album Dance With Devil est sorti en janvier 2020. Il y a 6 mois, c'est-à-dire quasiment à peu près en septembre voire octobre, le single de ce nouvel album était déjà disponible avec l'arrivée d'une nouvelle guitariste au sein du groupe, un nouveau membre qui est donc Larissa. And I said you are very productive because last year out on January, Pyrrhus album called Dance with the Devil, and the new single release, October, Circle of Five of this new album. You are very productive. Yes, it's really fun to write, of course. I really like the writing process. For me, it was no problem, but of course, we were all sad that we couldn't do as many gigs with, Dance with the Devil because Corona came along. Mm. But yeah, then this is just the next best thing you can do, and making the best out of a situation, but I do love writing, I had fun. Yeah. Ouais, effectivement, ça ne lui pose aucun problème depuis l'an passé, cette histoire de coronavirus qui a bloqué toutes les tournées, etc. Donc elles ont mis le temps en production, c'est-à-dire elles ont composé un nouvel album et avec un nouveau titre qui est sorti, donc il y a déjà quelques mois, effectivement, avec l'arrivée, donc je répète, de la guitariste Larissa. Ouais, elles sont très occupées, ouais, elles bossent, ça bosse à fond et elles écrivent tout le temps, quoi. And I think your album was forged in the fires of a pandemic. Boom! Yes. Ouais. And there is a lot of catchy hymns inside because at this moment, two singles, Flight of Valkyries and The Circle of Five. And what is the next single coming just before the new release? Ooh. Now we are for certain, of course, we have to do a single for... The Witch of the North. Mm-hmm. Okay. But I'm not sure yet when the release date is exactly of that, of that video clip. But we recorded a very, very nice clip with, in Poland with Grupa 13, and they're an amazing team for us ready. So that was cool. Okay. Donc, I'm looking forward to share it with that. Et oui, un nouveau clip viendra bien évidemment à la sortie de l'album en attendant la réalisation du titre parce qu'elles sont pas encore sûres, donc elles veulent être vraiment certaines, attendant de voir les résultats déjà des deux singles. Et puis le choix des titres, c'est en mon avis, je pense qu'elle le sous-entend, mais c'est une décision entre groupes, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. And what about your recording sessions with the Swiss metal legend Mr. Beer Pulver and your producer Schmeier of Destruction? Yeah, Schmier and Pulver. They're awesome. They, we always work with them because they know exactly what we want. And they also seen the 80s, so that's really cool to have those people on the team. Ouais, effectivement, du bon temps passé en studio avec la légende du Swiss metal suisse Mr. Bio Pulver et le producteur Schmeier, notamment du groupe Destruction, que tout le monde connaît, un grand géant, un titan du thrash metal allemand. Ouais, ça s'est super bien passé, quoi. And another question, I heard that you covered the track All the Mountain King from Savatage with the solo from Chris Caffery? Yes, we did. I love this song. Dun, dun, dun. Far away. Yeah, it's pretty good, yeah. Yeah. Madness reigns in the hall of the Mountain King. I had this song since I was young, really young on my head. It's always on it. Cool. Yeah, it's one of my favorites. Yeah. Yeah, I want to bang my head now, it's a fantastic song. Uh-huh. Can't wait to listen to your cover version. Yeah, I'm curious what you think of it. Okay. I really like it. It's nothing. Move on. Sorry.
Awesome. Ouais, effectivement, donc la bonne idée, c'est qu'ils ont enregistré le Howl of the Mountain King des Savatage, avec bien évidemment la participation de Chris Carfery, qui vient épauler le groupe en termes de solo. Ça, c'est génial. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte de vous proposer ça, parce que ça va être fantastique. En plus, avec la voix de Laura là-dessus, ça va être fantastique. Ça va être génial. Je sais que ça va être génial. C'est du 100% heavy metal. Elles respirent ça et elles en vivent. Et ça, c'est canon, quoi. Et ça donne envie de bouger sa tête, de secouer. Ça, c'est des bons messages, ça. And what is the future plan of booking of the band? Maybe we cross our fingers to see you on stage in France, or maybe some good festivals. I mean it's of course we really hope to do that. So at the end of the year we're going on tour at Primal Fair. France should be in there, you know, and then also in the beginning of next year. So that's like the tour we have now. But I think, you know, for planning anything further, I guess we have to just wait if the vaccines are working and if every country is quick enough now. Because, you know, there's one country that already finished 70 years old and older, and no one died after that in this age group. So that's really positive. Ok, donc pour le début de l'année prochaine, on attend que cette histoire elle passe, on attend que les vaccins se avancent, etc. Donc elle a impatience de revenir, donc faut compter pour l'année prochaine, elles vont venir et je vous dis tout de suite, hein, ça va envoyer sévère, hein, c'est très heavy et ouais, très très impatient de voir les nanas comme ça sur scène, ça va envoyer très sévère comme je le dis quoi. Donc c'est Laura Gullmond en direct avec nous, la chanteuse des Burning Witches. Je rappelle que l'album, lui, il sortira le 28 mai prochain. Il s'appellera tout simplement The Witch of the North, et voici le track listing. Ça démarra avec Winter's Wrath, ensuite en 2 The Witch of the North, en 3 Tainted Ritual, en 4 We Stand as One, en 5 Flight of the Valkyries, en 6 The Circle of Five, en 7 Lady of the Woods, en 8 Thrall, en 9 Omen, en 10 Nine Worlds, en 11 For Eternity, en 12 Dragon's Dream et en 13 Eternal Frost. À prévoir aussi une cover version de Savatage, le Howl of the Mountain King. Laura, thank you very much for the live interview tonight. Do you have a message for the audience at this moment, please? Hang on for a little bit longer. You know, concerts are almost happening again everywhere, so stay safe, stay metal, and see you on the road as possible. Okay, thank you very much for the live interview. Stay live, stay metal. We are heavy metal. Thank you very much, Laura. Yeah, you're welcome. Bye. Tout de suite, on continue en musique sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio, Burning Witches. L'album, donc je répète, il s'appellera The Witch of North. Voici le single Flight of the Valkyries, 213 Rock.
Hell yeah, sur la web rock station Vinnie Times, le classic rock radio. We are heavy metal. C'était ça l'interview avec Laura Goldemond, notamment de la chanteuse des Burning Witches. Elle est super, elle est cool. Hein. Franchement, vraiment très sympa et très très heureux de l'avoir eu en direct ce soir. C'était vraiment un grand plaisir. Je rappelle que l'album The Witch of the North sortira le 28 mai prochain via le label Nuclear Blast. Top cool. Ouais, on aime quand ça se passe comme ça. Vous savez quoi? Tout de suite, Savatage, Howl of the Mountain King. De son présent.